Salut tout le monde, c'est Evelyne. C'est juste pour vous dire un petit message rapide comme ça. Je me suis créé un nouveau blog, donc j'ai mis mon blog en pause. Le chaudron chromatique, parce que j'avais comme. Je sais pas, je suis bloqué. J'ai plus d'inspiration pour créer des choses pour le poster dessus. Donc, ça fait que j'ai mis ça en pause. Puis là, vu que je suis comme un peu bloqué niveau inspiration, je me suis dit, ok, ben je vais essayer de retourner revisiter mon ancien travail. Parce que avant, je faisais des choses qui n'avaient pas du tout de rapport, de lien avec le jeu de rôle. Puis, j'avais quand même un univers imaginatif très comme riche, puis coloré, que j'aimais beaucoup. Mais que je me suis un peu distancié en me concentrant plus sur les jeux de rôle. Fait que là, j'ai envie de renouer avec ça, avec ce passé-là. Donc, je me suis créé un nouveau blog pour explorer ça. Donc, ça s'appelle... Voir l'intérieur, donc c'est pour un peu explorer mon intériorité. Fait que ça, j'ai fait ça. Puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est que à chaque jour, je vais prendre un de mes anciens dessins que j'ai fait en 2004 puis 2009. Puis, je vais comme refaire une nouvelle illustration inspirée de ce dessin-là. Ce sera pas comme une espèce de remake, là. Je ne redessinerai pas la même chose, mais je vais comme m'inspirer des éléments, des choses que j'avais faites à mon dessin pour refaire une nouvelle illustration. Comme ça, tu sais, je vais peut-être reconnecter un peu avec des choses que j'aimais avant, puis qui me parlaient, puis que j'ai perdu un peu de vue. Donc, ça. Fait que j'en essaie d'en poster un par jour. Ça, je sais pas si je vais réussir, mais j'espère. Puis, donc, je vais mettre ça là-bas. Fait que vous pouvez regarder, c'est drôle, là. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai déjà posté un dessin pour Charles. Ce qui était aussi inspiré d'un de mes anciens dessins. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être drôle d'explorer ça. J'ai beaucoup de souvenirs entre 2004 puis 2009. C'était la nouvelle époque pour moi. C'était tellement de découvertes. Je découvrais comme mon identité de genre. Je découvrais des nouveaux amis, l'internet, les blogs, faire la bande dessinée en ligne. C'était comme vraiment riche, il y avait comme tellement d'interactions sociales, de fun, puis passionnantes. Jusqu'à temps que, ben là, finalement, ça a mal fini pour moi en 2009. Mais ça a été comme une belle expérience quand même. Mais, fait que j'ai peut-être parlé de ça aussi un peu, de mes souvenirs de cette époque-là, dans ce blog-là. En tout cas, je vais écrire du texte aussi. Ce sera pas juste des illustrations, je vais mettre aussi un peu de texte. En tout cas, on verra bien. Donc, c'est ça. Fait que je vais mettre le lien dans la description du vidéo. Vous pourrez cliquer dessus et aller voir le blog. Je sais que maintenant, aujourd'hui, les blogs, c'est difficile de les suivre parce qu'il n'y a plus grand monde qui ont des fils de RSS. Puis, donc, on peut voir la mise à jour. Donc, c'est pas évident. Fait que c'était un peu comme. Tu sais, je fais ça vraiment juste pour moi, pour le fun, parce que je sais que j'avais pas beaucoup de trafic, là, comme avant, comme dans le temps des blogs, là. Ce serait pas du tout la même chose, là, étant donné que maintenant tout s'est déplacé vers les réseaux sociaux. Mais bon, en tout cas, je vais le faire quand même. C'est une expérience. Ok, merci, c'est bon, au revoir.